Comment ça va l'équipe aujourd'hui, les potes? Bah moi ça va nickel. Aujourd'hui ça va être très simple, on va s'ouvrir la petite ETB Pokémon Go. Alors avant de l'ouvrir l'ETB les potes, je voulais vous montrer, parce que j'ai ouvert un coffret noix de coco d'Alola là il y a pas longtemps. Il y avait de la famille à la maison, dont les frères de ma conjointe. Et on s'est offert un petit coffret chacun. Et regardez les gars ce que j'ai eu dans le coffret. Bon, on va y aller par étapes. J'ai eu deux cartes et un banger, mais je vais commencer à vous montrer déjà celle-ci, donc la Monaf Limite, qui est quand même plutôt stylée en vrai, hein. C'est une full art, elle est vraiment, vraiment clean, c'est vraiment une belle carte, je la mets juste là, regardez, hop, et surtout les gars, mais je vous avoue que j'ai un peu eu le seum de pas l'avoir ouverte, cette box en vidéo, mais qu'est-ce que j'étais heureux d'avoir la carte, regardez ça, le petit Dracolos, Vesta Rainbow. Oh là, là là là, quel banger, mais quel banger cette carte. Oh, elle est incroyable. Du coup les gars, je les mets là, les deux, pour la vidéo, même si on les a pas eu du coup dans le TB qu'on va s'ouvrir aujourd'hui là. Mais du coup ça me fait tellement plaisir de l'avoir eu que je les mets là. Donc les gars, bah écoutez, on n'attend pas plus longtemps, c'est parti, j'ouvre ça et on y va, let's go! Les amis, c'est super stylé, regardez ce qu'on a. On a un carton, alors je vous montre pas les codes, hein, parce que je vais l'utiliser moi dans le jeu, parce que je joue à Pokémon Go. Mais du coup, on a un carton avec plein de codes pour déverrouiller des trucs dans le jeu, donc c'est mortel. Bah comme d'hab, on a le guide de jeu, hein. Celui-là je l'ouvre pas, j'ai pas envie de me spoiler. Le petit carton avec dedans le décor, on voit pas bien, attendez, je vous montre là. Il y a le décor dedans, bon je l'ouvre pas, mais voilà, vous avez capté. Et le TB qui est vraiment magnifique, franchement elle est trop belle, elle est trop bien faite. Mewtwo, il est vraiment stylé dessus. Donc voilà, comme d'hab, hein, c'est un secret pour personne, mais du coup, les dés, les machins, marqueurs de levier, trucs de bulles, ça, on connaît. On a les skives, qui sont quand même ultra stylés. Le seul problème de ces skives, bah, c'est comme d'hab, hein, voilà, je le dis à chaque fois que j'ouvre une UTB, mais elles sont pas bien transparentes, donc c'est pas terrible pour les protéger. On a tous les boosters là, tac, je les mets juste ici, comme ça on se les ouvre après. Le petit code, bah celui-là je le garde, hein, puisque pour le TB, vous connaissez la base. Et la petite, putain la carte promo, elle est incroyable aussi. La Mewtwo V, en plus elle a l'air bien cadrée là. Donc, plutôt cool. La petite Mewtwo V. Ah ouais, elle tue. Et puis les énergies, voilà, hein. Bon ça on s'en fout. Les séparateurs de deck, je vous les montre pas. C'est les mêmes que d'habitude, voilà, je remets tout ça dedans. La carte promo, ça, je vais la mettre là, je vais la mettre ici, tiens, voilà, impeccable. Et puis les amis, bah du coup, les 10 boosters, oui, parce que ce qui est bien, bah vous le savez peut-être, mais du coup, bah c'est comme dans Célébration, vu que c'est une .5, ETB .5, donc c'est entre deux séries en gros, il y a 10 boosters, donc ça c'est cool, c'est plus cher, elle était à 60€, celle-là j'ai eu du cul, parce que j'ai touché à 45 balles sur Micromania, j'avais 10€ de bon d'achat, je sais même pas d'où, et 5€ du jeu concours, bah qui est encore en place d'ailleurs, donc si vous allez sur Micromania, il y a un jeu concours pour avoir 5€ de réduction, des 30€ d'achat, donc ça permet d'avoir bah, 5 balles de réduction, toujours ça de prix. Voilà, donc bah écoutez les gars, on s'ouvre les 10 boosters, let's go. Allez, c'est parti, on commence avec bah, les 10 boosters. Ce qui est bien dans Pokémon Go, c'est que c'est les mêmes, c'est les 10 mêmes boosters, enfin c'est les 10 mêmes boosters, c'est la même illustration sur chaque booster. Donc il n'y a pas trop de problématiques sur... le fait de les garder ou pas, je vais en garder quelques-uns, pas tous, hein, parce que je vais pas m'amuser à tous les garder, mais au moins on n'a pas le problème de, tenez le code, de, comment dirais-je, bah voilà, de pas avoir toutes les illustrations. 2, 3, 4. Ok, est-ce que ça porte chance ou pas, je sais pas, mais on a du coup la première carte, c'est la petite truc Vesta, ensuite on a le Vénard, qui est stylé, capitaine d'équipe Spark. En fait, cette collection, elle est vraiment cool, si vous jouez à Pokémon Go, bah même si vous jouez pas à Pokémon Go, mais le fait de jouer à Pokémon Go, bah, du coup, on connaît déjà la série, en fait, puisque c'est des trucs qui sont dans le jeu, ouais, tout simplement. Migalos, Evoli, qui est stylé en 3D, franchement, il est mortel. Le petit Pikachu, je l'ai déjà eu plusieurs fois, celui-là. Carapuce, Mimigal, donc on a eu Mimigal et Migalos. On a Sauf-Kipou. Encore Migalos, mais cette fois, on l'a en reverse. Et on commence tout de suite avec une V. Oh! Oh, bah, les gars! Mortel! Ah, elle est stylée! Je sais pas si c'est l'alternative ou pas, je pense pas. Je pense pas, mais elle est vraiment cool. Donc, du coup, on a deux Dracolos, du coup. Bah, la première, encore une fois, on l'avait eu. On l'avait eu. Comment dirais-je?
dans une autre, enfin pas dans le TB, mais en soi voilà c'est cool parce que du coup j'ai bah, Dracolos pareil, hein, c'est première gen, c'est un de mes Pokémon préférés. Je pense que vous l'aviez compris maintenant depuis le temps. Donc je suis assez refait de l'avoir là. Bon du coup je viens d'éclater le booster, donc comme je vous dis c'est pas grave parce que je vais pas tous les garder. Hop le code, on se spoile pas, je sais pas si on peut spoiler d'ailleurs avec les codes sur Pokémon Go, mais bon. On va pas tenter le diable hein. Bon voilà, je vous cache pas que le but ça va être d'aller chercher le Dracaufeu radieux. N'importe quel radieuse d'ailleurs en fait me conviendrait. Bon je t'avoue que si on peut avoir un petit Mewtwo V-Star Gold ou Dracolos V-Star Gold, je dis pas non plus. Mais le but les gars c'est le Dracaufeu. Dracaufeu radieux, même le normal je le veux bien, enfin voilà, vous avez capté, moi je veux du Drac. Énergie combat, Steelix, Xatu, je crois que je me suis spoilé, on a quelque chose en dessous, je suis pas sûr. Capitaine d'équipe Candela, Capumain, Bulbizarre, Chamallow, Ratatak d'Alola, Colombo. Oh, bah. Et bah voilà les gars, une radieuse et on va faire le doublé en plus. Oh bah encore moins 9 limites V. Putain, les gars, la chance qu'on a. La chance qu'on a. On a le Tortank radieux. Bon, il est cadré avec le fion. Hein. Ils l'ont cadré avec le fion, clairement. Mais la carte est stylée. Oh, je suis refait, les gars. Il y a un deuxième en 9 limites V. Bah, je vais le mettre sur le premier. Ok. Bon. Pour l'instant, cette ETB, les amis, se présente plutôt proprement. Hein. Clairement, on a ouvert deux boosters. On a déjà 3 hits. Deux boosters, 3 hits. Hein. Voilà. Sachons reconnaître les choses, quand même. Hop! Ah bah je l'ai encore ouvert n'importe comment, bon c'est pas grave. Ah ouais, alors les gars, faut que je vous dise aussi. Enfin, faut que je vous dise, vous le savez sûrement déjà parce que vous avez probablement déjà ouvert des ETB. 1, 2, 3, 4. Ok, énergie feu, module leurre, reptincelle, donc ça c'est cool parce que je l'ai pas eu, je crois. Voilà. Non, infect, voilà, c'est la carte là, donc que notor. Vous le savez probablement déjà, mais il y a des Queenotors, donc là c'est pas le cas, parce qu'il faut en fait il faut un petit métamorphe ici. Mais il y a des Queenotors qui cachent des métamorphes. Justement, je croyais que tous les Queenotors cachaient un métamorphe. Donc j'avais déjà eu un Queenotor, j'ai essayé de la décoller. Mais en fait ça se décollait pas, parce que non, il faut qu'il y ait le petit truc métamorphe ici là. Donc faites pas comme moi, comme un débile. Et puis bah faites bien attention à ça quoi. Poichijon, Magikarp, Meltan, Flagados River, c'est plutôt stylé. Et Tyranocif en holographique. Ok. Bon, les gars, comme on n'a pas beaucoup de place à la caméra, je vais pas mettre les holographiques comme je fais d'habitude, là, en dessous de la caméra. Mais, en tout cas, elle est quand même stylée. Tyranocif, en plus, bah, c'est un Pokémon qui est quand même assez badass. Voilà, ça fait plaisir. Bon, je vais essayer d'en ouvrir proprement des boosters. Bon, celui-là, je l'ai pas ouvert ultra clean, mais ça va le faire quand même. Hop, le petit code, comme ça on se peut spoiler. Je sais pas si on peut spoiler, donc voilà, je vous ai dit, on va pas tenter le diable. Mais bon. Énergie Psy, le Vénard encore, capitaine d'équipe Spark, Migalos, ça c'est le même booster que tout à l'heure en fait. Magikarp, Poichijon, Onyx, Evoli, Salamèche, donc c'est cool, on a Salamèche et Reptincelle. Oh, un petit Evoli en River, ça fait plaisir. Et on va avoir un Nymphali en holographique. Alors, il n'y a peut-être pas de rare simple, je dis peut-être une bêtise, hein, mais peut-être qu'il n'y a que des holographiques, je sais pas. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'en avoir deux. Donc ouais. Peut-être qu'il n'y a que des holos, hein. Peut-être qu'il n'y a pas de rare simple, je sais pas trop. Je sais pas trop, pour être honnête. J'ai encore arraché le booster, là, mais... C'est pas grave, j'en ai déjà plein d'avance, au final, donc c'est pas trop trop problématique. Hop, le code. 1, 2, 3, 4... J'ai super chaud, il fait super chaud dans mon bureau. J'aurais dû faire la vidéo, là je tourne la vidéo, on est déjà l'après-midi, j'aurais dû le faire le matin. Énergie acier, incubateur 2. Oh, Carabaf, cool, on a tué Tortank et Carabaf. Et Carapuce aussi, donc en fait on a les trois. Solarok, Pikachu, ah bah Carapuce du coup. Ramolos, Onyx, Salamèche. Oh, Sulfura, ah non, elle est cadrée n'importe comment encore une fois. Et l'euphorie en holographique. Ok, donc je pense vraiment qu'il n'y a pas de rare simple, hein, les amis. Je pense que c'est que des holographiques. Ou des V et des V Star, etc. Hein, mais je crois qu'il n'y a pas de rare simple, donc ça c'est plutôt cool. C'est bien les séries comme ça où t'as pas de rare, entre guillemets, standard. Ça fait toujours plaisir. Le code, tac. 1, 2, 3, 4. Ok, Energio, Moduleur, Reptincelle, Infect... Et attention, je te coupe là. Je te coupe là, toi.
Je sais que t'es en train de regarder la vidéo et que t'es en train de te dire « Oh, il va peut-être avoir le drac au fur et à mesure, oh, il va peut-être avoir des bangers, oh !» Mais abonne-toi, mon ami. Abonne-toi. Parce que ces bangers-là, on les a tous ensemble, les potes. Ok ? Donc abonne-toi. Ouais, je te vous vois, je te tutoie en même temps. Où est le problème ? Moi, je suis un dingue dans ma tête, je suis un fou. Donc abonne-toi, mon ami. Mets un petit pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir. Et puis les gars, explosez-moi ce compteur d'abonnés. Explosez ça, qu'on ait un max d'abonnés, des belles ouvertures, des bangers, un max, tout ça, ça va être mortel. Allez, on y va les gars. Sauf Kipou, Pikachu, Carapuce, Meltan, Kenota, vous voyez, il a toujours pas le... J'ai toujours pas eu de métamorphe du coup. Poichijon Reverse. Et Articodin en holographique. Bon, ça avait très très bien démarré. Ça continue un petit peu plus doucement. Mais bon. On a ouvert combien ? On a ouvert 6 boosters déjà, il en reste 4. Donc on a encore de quoi se faire plaisir. Espérons qu'on ait autre chose. Hein. Plus il y en a, plus je suis content, forcément. Celui-là, je l'ai plutôt bien ouvert, le booster, je trouve. Donc c'est cool, je vais pouvoir le garder. Le petit code pour vous. 1, 2, 3, 4. Ok. Et c'est parti. Énergie ténèbre. Déflaisant. Super bonbon. Camérupt. Sauce Kipou qui revient tout le temps. Poichijon. Magikarp pareil. Meltan. Evoli. Oh, Florizarre. Putain, ils l'ont cadré, mais comme... Oh, mais c'est n'importe quoi, sans déconner. Il est cadré avec le Yonf. Et Melmetal V. Ok, je vais la mettre là. Et la Florizarre, bah, au final, c'est une Reverse, donc je vais pas la mettre à l'écran. Franchement, elle est cadrée, mais... Oh, c'est abusé, je suis dégoûté, les gars. Regardez-moi ça. Je suis deg. Je suis trop dégoûté. Elle est cadrée n'importe comment, la carte, quoi. Bon, bref. Donc, pour l'instant, on a eu 4 hits, en gros. Parce que les... Bah, comme on a dit, les holos, c'est pas des hits, hein. Au final, il a l'air d'y avoir que des holos. Donc voilà. Le code pour vous. Allez, on va essayer d'aller choper un Dracaufeu. Au moins un petit Dracaufeu, même holographique, hein, ou River, ça me va. Après, je vous avoue que le radieux, bah, je serai encore plus heureux, mais... Énergie Feuille, Incubateur d'œuf, Carabaf, Solarock, Ramolos, Ambrilex, Capumain, Mimigal, Rattata d'Alola, Le Vénard en Reverse, et Ronflex en holographique. Bon les gars, il reste 2 boosters. Ok. On va commencer par le dernier. Celui qui était censé être le dernier. Et ensuite, on fera l'avant-dernier en espérant aller choper quelque chose. Je vais ouvrir n'importe comment encore, mais c'est pas grave. Le code. 1, 2, 3, 4. Oh, est-ce que c'est bon signe ou pas ça les amis, hein? Est-ce que c'est bon signe? La petite carte Vestar. Déflaisant. Capitaine équipe blanche. Camérupt, Ratatak d'Alola, Colombo, Bulbizar, Natu, Capidextre, Capitaine d'équipe Spark, et Florizarre holographique. Bon, c'est pas celui que j'attends le plus, hein, c'est le Dracaufeu, mais en soi on l'a eu en Reverse, son holo. Bah, ça reste des starters, hein, donc je suis assez heureux de les choper. Mais bon. Bon, bah voilà, le dernier booster. Du coup, hop, n'importe comment. Allez les gars, est-ce que le dernier booster sera le booster de la chance? Est-ce que c'est dans celui-là qu'on va avoir un méga banger? Espérons. Ok, allez, énergie foudre, Celeroc, Herbizarre, un Pokéstop, je crois qu'on l'a pas eu encore, Capidextre, Ramolos, Onyx, Salamèche, Cunotor, donc encore une fois c'est le Cunotor standard entre guillemets. Tyranocif Reverse et Léviator holographique. Bon, bah les amis, pas de Dracaufeu pour ce coup-ci. Donc, le tirage est quand même cool. Il est quand même cool. Alors du coup on enlève le Dracolos là et le Monaflémite ici. Donc ça c'est des cartes qu'on n'a pas eu dans cette ouverture. En gros dans l'ouverture ce qu'on a eu c'est ce qu'il y a là quoi. Donc moi je suis vraiment content surtout pour le Dracolos et le Tortank. Le Tortank radieux. Bon, on a eu un radieux, hein, c'est toujours ça de prix, franchement je vais pas me plaindre. La promo, on va pas se cacher, elle est vraiment incroyable. Le Dracolos il est stylé. Voilà ce que je peux vous dire les amis. Non franchement c'est une bonne ouverture, je suis assez content, ça fait 4 hits.
sur 10 boosters. Bon, c'est pas, voilà, ça fait pas 1 sur 2, mais presque. Donc voilà les amis, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi cette ouverture m'a plu sincèrement, je la trouve quand même plutôt bien dans l'ensemble. Parce que c'est les cartes que j'apprécie, hein. Ça aurait été que des main metal par exemple, bon j'aurais été deg. Mais en soi voilà, donc écoutez si ça vous a plu comme d'hab, hein, voilà, je le répète, mais lâchez un pouce bleu pour montrer que la vidéo vous plaît, pour que elle apparaisse, voilà, qu'elle soit diffusée. Et puis surtout abonnez-vous, je vous le dis, abonnez-vous les gars. Franchement dès qu'on arrive à 100 abonnés, je fais un concours pour gagner un coffret ou un truc. Voilà, parce que ce serait un palier quand même significatif. Donc voilà, abonnez-vous, et puis les amis, comme d'habitude, éclatez-vous dans vos ouvertures. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao !